I can say a few words. I'm totally unprepared to, to say uh, something, but uh, uh, it, what I like about this colloquium is the uh, connection between geometry uh, and topos theory and logic, uh, which uh, we, we can see in the talks. And uh, uh, topos theory. S began in um, 1960 with the work of Grothendieck and his students. And it has uh, uh, started uh, a new way of looking at m in many subjects, especially the connection between logic and topos theory. And uh, this is something which I believe will continue in the future, uh, as we can see with higher topos theory and possibly homotopy type theory. Donc, uh, so I think that the future is brillant uh, pour uh, very bright for topos theory. <laughs> <laughs> okay so um what I would like to say you know is the following is that uh, had, said, uh, had written in Semai that um, tous les chevaux du roi viennent boire ensemble. I s and this was our purpose with uh, uh, Pierre and Olivia when we, tried to, when we began to organize. Uh, and then, OK, the, the other organizers, you know. But uh, what I have in mind is the following What I have in mind is that um, uh, what struck me during this uh, conference was the fact that um, people that normally would never meet. And would never sort of listen to talks of the others did come together, and that the unifying uh, uh, reason for that was exactly the idea of the, of the topos, and uh, and uh, I find this really amazing, because uh, of the very different horizons from which the people were coming. I mean, of course, there is a motopis theory, and uh, uh, it's. Um, I mean, uh, when I was reading books in uh, algebraic topology and so on, I was struck by the fact that people were not using the language of topos, even though if they had used it, many, many properties that they were dealing with would have been far more conceptually understood than what they were doing. So this is very striking. And it's a typical feature which I cannot explain, but I, I will ask you the question, which I cannot explain why is, is there this uh, snobism? Which means that uh, people like to use their own words for a notion which already exists since, uh, I don't know, 55 years, and uh, where instead of using the word topos, they prefer to, to write it in their own language and, and not make the link with topos. I was very struck, I mean, it's not only in algebraic topology, I mean, in many different topics, I have witnessed this uh, feature. Uh, and uh, but I have no explanation. And uh, I mean, uh, the intent of uh, at first when we tried, you know, to organize this uh, meeting, the intent was exactly this. The intent was to change the, the way the word "topos" is uh, is um, considered by the mathematical community. It's not it's not done. It's not finished. It's far from because, uh, for instance, laurent was explaining me uh, that uh, i forgot whom it was who was writing, wanted to write a paper about topos, and he was advised to write instead uh, a category of shifts. <laughs> because the word itself of topos it's bad. is bad and didn't make it. it has a, and I can, I can tell you why. i can tell you why because i was on the other side <laughs> for many years. <laughs> so, in other words, for many years, when i was hearing the word topos, uh, the mental image that I had of a topos was a very strange topological space that I would never have to use, and, uh, and, uh, you know, and which had, uh, uh, I mean, which didn't, which was not part of the mathematics which I like very much, which are concrete, where you okay, you have lots of problems of analysis and so on and so forth. And it's only when I understood the, the, the fact that small categories. Naturally, give rise to a topos. That I said, this is wonderful. So, I mean, uh, what I am saying is that uh, uh, among most mathematicians, those who don't accept the word topos are ignorant. Well, first of all, I was an ignorant for many years. And uh, I mean, uh, and uh, very often in life, this uh, is not only in mathematics, ignorance implies disdain namely because they are ignorant they prefer to react to the notion by disdain and by some kind of contempt because they don't want to make the effort to learn and uh, and the problem with topos theory is the following is that it's not an effort which you can do easily one has to find for each mathematician the door the small door that will the back door, the back door. <laughs> well okay it, it could be the back door it could be the front door it could be anything but uh, but uh, but what i hope is that uh, this conference has exactly achieved this namely that each of you at some point has has been touched by oh wow this is great you know <laughs> okay yeah thank you uh. <laughs> Well, of course, I totally share uh, this uh, view of things. Uh, um, in fact, um, we were uh, all uh, inspired uh, by uh, uh, looking at what uh, Grothendieck himself wrote about uh, the notion of topos in his uh, text, Recolte en Semai, which is uh, a text of uh, reflection, both mathematical and, and philosophical, on uh, the sense of, uh, of uh, the concepts that Grothendieck had introduced and developed in, uh, in his uh, career. And so, in particular, what uh, what strikes uh, um, about uh, this text is the insistence on the on the unifying power of the notion of topos at um, in many points. Uh, in, he repeats that uh, toposes are unifying; that uh, they can they can allow um, to embrace uh, uh, both the continuous and the discrete to unify different areas of mathematics. So uh, I think that uh, now we are in a in a situation where uh, topos theory is. Uh, certainly, uh, sufficiently mature uh, from a technical viewpoint uh, to actually um, uh, realize this dream of uh, unifying different branches of mathematics with each other. Uh, in particular, I think that the notion of classifying topos, which was first introduced in the 70s, is uh, particularly suitable for formalizing this idea of unification, for formalizing uh, the um, uh, the phenomenon that uh, two uh, completely different looking mathematical theories uh, might uh, actually have the same mathematical content or a strictly related mathematical content. And so, um, so I have tried to, to explain in, uh, in my um, course that uh, taking this point of view of classifying toposes seriously can uh, really lead to a great amount of uh, uh, surprising insights across different mathematical theories, but not just across different theories. Even if you want to study just a single mathematical theory, uh, the fact that a the theory is a sort of a living organism is not a dead thing. So it has its internal dynamics. So basically, this internal dynamics of a theory translates into the fact that uh, its classifying topos admits these multiple representations. And so, uh, by uh, by playing with that, you can really extract a lot of information about your theories that uh, you would not uh, see. Uh, with uh, alternative glasses let's say so there is this element of magic if you want of surprise uh, that uh, is hidden in, in toposes and uh, i'm sure that we are really at the very very beginning of exploring uh, the, the potential impact of all of this so in particular my 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 hope uh, is that uh, uh, with all the talks that we have had uh, uh, in this colloquium uh, to have really illustrated uh, this wide-ranging impact of this notion and uh, especially the uh, the potential that is uh, very very far from being uh, uh, exhausted okay so i i guess uh, for the moment uh, i leave the word <laughs> D'accord, personnellement, je vais parler en français, je pense que le français a droit de citer à l'IHES. Euh, euh, oui, donc euh, euh, personnellement, je, je, euh, disons, j'espère que ce colloque euh, va avoir sur beaucoup de personnes euh, l'effet le, de transformation euh, qu'a eu sur Alain Cohn son propre travail de recherche. Et euh, sur moi, euh, depuis euh, quelques années, les très nombreuses conversations que, que j'ai eues avec Olivia, euh, c'est-à-dire, Alain Cohn a expliqué que pendant longtemps, euh, il pensait que, en quelque sorte, les topos n'étaient pas sérieux, euh, que c'était du format. Où, voilà. Et euh, pour ce qui me concerne, euh, moi qui viens de la, de la géométrie algébrique, euh, pendant des années et des années, euh, euh, bien sûr, j'avais lu ce que Grothendieck disait dans Récolter ce mail, mais pour moi, euh, les topos, ça servait à fabriquer des invariants cohomologiques euh, dans des euh, situations où la topologie ordinaire ne suffisait pas. Donc euh, voilà, je connaissais euh, la, la cohomologie étale, euh, la, la, la cohomologie cristalline. Et euh, les topos de Grothendieck, pour moi, euh, se cantonnaient à cela. Euh, bon, euh, j'avais peut-être entendu quelquefois euh, que euh, les logiciens aussi s'étaient emparés des topos, euh, mais comme la plupart des euh, mathématiciens, euh, je pensais que la logique euh, ne servait à rien. <laughs> Donc, euh, euh, voilà, et euh, j'ai pensé euh, cela euh, jusqu'à euh, maintenant, cela fait 4 ans. Euh, quand euh, Olivia est venue à l'IHES euh, comme visiteur euh, pendant euh, un mois, euh, bon, un jour elle m'a envoyé un message en demandant si... Euh, enfin voilà, elle aurait voulu parler avec moi. Et puis le, le, elle est venue, elle a commencé à m'expliquer euh, euh, à la fois euh, du, euh, des éléments de logique. Euh, et à me parler de topos en relation avec euh, cette euh, logique. Au début, j'avais beaucoup de mal à comprendre, mais euh, je me souviens que en fait, j'ai été très vite convaincu et euh, convaincu euh, par le théorème d'existence des topos classifiants, hein, que Olivia m'a expliqué euh, presque, euh, enfin, dès, 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 dès le début, euh, qui pour moi était une surprise totale. Euh, et euh, je, depuis cette époque euh, en fait j'ai parlé de ce théorème à beaucoup de gens en hein, géométrie algébrique, je me suis aperçu que la, la plupart des géomètres algébriques n'en ont jamais entendu parler euh, et que euh, euh, voilà, Donc, le, en fait c'est une, une, une surprise énorme pour moi euh, que euh, ce théorème euh, n'ait pas été euh, davantage connu, qu a été, euh, même, euh, enfin, que, que l'étude des topos classifiants était euh, très délaissée euh, pendant des, des, des décennies. Alors, euh, je voudrais expliquer pourquoi euh, euh, j'ai été convaincu. Donc, euh, en fait, c'est largement en relation, malgré tout, avec mon expérience de géomètre algébriste et euh, de mon travail dans le programme de Langlands. Euh, C'est-à-dire que le, le programme de Langlands euh, se donne pour objet de, de mettre en relation euh, deux théories complètement différentes, qui sont d'une part la théorie automorphe, la théorie des, des représentations et des fonctions automorphes, et euh, d'autre part euh, la théorie des représentations galoisiennes. Et euh, jusqu'alors, jusqu euh, un résultat comme celui-là, un énoncé comme celui-là, m'était apparu comme une sorte de miracle en mathématiques. Or, euh, j'avais l'habitude de, de, de penser ce, ce programme de Langlands euh, comme le fait que deux théories mathématiques complètement différentes euh, racontaient la même histoire. Mais voyez bien que lorsque je m'exprime de cette manière-là, je m'exprime de manière imagée, je ne m'exprime pas dans un langage mathématique. Je, je m'exprime dans un langage littéraire, métamathématique, suggestif, euh, euh, par évocation, mais pas du tout en des termes mathématiques. Or, euh, ce que euh, donc, euh, Olivia m'a appris en, 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 en m'apprenant la, la, la simple notion de topos classifiant, c'est que... Euh, cette notion incarne mathématiquement le fait de passer d'une théorie, donc définie en termes logiques, définie par une présentation logique, donc de passer de, de, de la présentation logique d'une théorie à son contenu mathématique, avec la possibilité que deux théories logiquement très différentes aient des contenus mathématiques reliés ou équivalents. Donc en, en quelque sorte, le, le, le fait... Que deux théories euh, mathématiques euh, racontent la même histoire, euh, dans, euh, grâce à la théorie des, des, des topos classifiants, euh, n'est plus euh, euh, une métaphore, c'est-à-dire ça s'incarne mathématiquement, c'est quelque chose qui peut être étudié. Euh, le contenu mathématique est incarné et incarné euh, dans euh, euh, qui plus est dans, dans un objet géométrique le topos avec, avec toutes les, les, les intuitions qui sont associées euh, à, la gé, à la géométrie. Euh, D'autre part, bien sûr, j'avais lu HGA4, donc je savais, euh, Grothendieck le, le, le fait remarquer, que, que des sites différents euh, peuvent définir des, des topos équivalents. Euh, mais euh, pour moi, c'était juste une remarque. Or voya, voilà que, grâce à la théorie des topos classifiants, cette remarque signifiait que le fait que deux théories aient le même contenu mathématique est quelque chose de courant en mathématiques. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas un miracle, c'est quelque chose qui se produit tout le temps. Euh, le... Et euh, donc, euh, depuis euh, ce moment-là, euh, euh, en fait, le, le... Je, je, je suis devenu euh, complètement euh, persuadé de l'intérêt, de, 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 de la puissance de cette théorie. Euh, je pense que euh, nous sommes seulement au commencement euh, de euh, l'étude et de l'exploitation euh, des topos. Dans Récolte et semaille, euh, Grotendieck dit que les, les deux notions les plus, euh, les plus importantes et les plus profondes qu'il a introduites sont la notion de motif et la notion de topos. Euh, à l'époque où il écrivait, euh, les deux notions n'étaient euh, enfin, pas très étudiées. Lui-même s'en plaint beaucoup. Et depuis, la situation a changé pour les motifs. Euh, Aujourd'hui, enfin, les gens ont compris que les motifs sont très importants. Mais en ce qui me concerne, euh, je, je soupçonne que en fait, les topos sont encore plus importants que les motifs. Euh, Enfin, en tout cas, c'est l'avenir qui le dira cela. Mais, le, euh, donc, le, mais encore une fois, je pense que nous sommes seulement au début. Donc, là, dans ce, dans ce colloque, nous avons vu les, donc un certain nombre d'approches de, de, de différentes parties des mathématiques euh, avec les topos. Euh, une autre chose qui me frappe énormément, euh, qui m'a frappé particulièrement euh, dans ce colloque, c'est que. Quand on a des théories mathématiques, même très simples, avec un langage très simple, des axiomes très simples, euh, grâce à la théorie, des, on, a, on a tout de suite un topos associé. Hein, ou bien, ce topos peut être défini par un site euh, lui-même formulé en termes très simples. Mais que euh, même si la, la définition du topos ou du euh, pardon, la définition de la théorie euh, géométrique du premier ordre, ou bien euh, du site. Euh, même si ces définitions sont très simples, l'objet associé est déjà d'une richesse absolument extraordinaire. Donc, par exemple, c'était visible dans l'exposé de fait Katia Consani sur ses, ses, euh, ses travaux euh, avec Alain Cohn où on avait des, des topos en un sens complètement élémentaire, très très simple. Hein, le, le, on, a, on a même envie de dire que les structures étudiées sont plus simples ou euh, a priori moins riches que, par exemple, les structures auxquelles on est davantage habitué, comme de groupes, d'anneaux. Là, vous euh, voyez, il y avait juste l'addition la, et la, la relation d'ordre, enfin des, des, euh, des, des, cho des choses extrêmement élémentaires. Et déjà, on voit, donc, euh, par exemple, par le, le, le calcul des points d'un tel topos, euh, qu'on trouve des choses étonnantes et euh, extrêmement riches. Donc, euh, quand on a cette richesse... Avec des, 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 des ingrédients aussi élémentaires, euh, vraiment, on s'interroge sur euh, jusqu'où ça pourra aller. Hein, et, les, et donc, le, 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 encore une fois, ma perception, c'est qu'on est vraiment au tout début de l'exploration des topos, même si bon, Olivia a déjà écrit plus de 1000 pages sur les, les, les topos classifiants, euh, Katia Kossani, Lincoln, écrivent aussi beaucoup, et puis le. Beaucoup de personnes qui, qui ont donné des, 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 des exposés. Donc, il y, a, il y a déjà une littérature importante sur les topos. Mais je pense vraiment qu'encore une fois, on est seulement au début. Et donc, pour moi, le, 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 ce, ce que ce colloque aura fait, c'est encourager le développement de cette théorie extraordinaire. Entre vous, bon, c'était une espèce de jeu de mots sur des, des topos en un sens très élémentaire. Évidemment, il s'agissait de topos de Grotendik. Est-ce que euh, euh, ça veut dire qu'il faut considérer les topos élémentaires comme euh, euh, le, un parent destiné à s'appauvrir euh, qu Ou bien leur changer, les, les appeler autrement ou, euh, Quelles peuvent être les relations et l'importance relative des topos de Gothic et des topos élémentaires. Euh, bon, c'est peut-être des impressions, livrer quelques impressions. Euh, il est clair que la notion de topos élémentaire est très importante. Le, le fait qu'on puisse interpréter la logique supérieure, intuitionniste peut-être, mais quand même, logique supérieure dans un topos c'est un fait fondamental, plutôt surprenant, parce que d'un côté, on a un objet d'origine purement géométrique les topos, la notion de topos, et d'autre part, il y a la logique intuitionniste inventée par en fait Brouwer, qui était, faut le dire, topologue, <laughs> enfin, mais et il, a surtout, il est surtout connu, en fait, en mathématiques, il est surtout euh, connu pour son théorème de points fixe, euh, théorème de points fixes de Brouwer, mais euh, en logique, il a une contribution très importante, qui est le développement de l'intuitionnisme, qui a longtemps été considéré comme étant une branche un peu exotique de la logique, et qui euh, et, et le fait qu'on puisse tout d'un coup se rendre compte qu'il y a une relation étroite entre d'un côté la géométrie et l'intuitionnisme qui, qui a émergé à partir d'une de, de philosophie ou de considération assez très indépendante, c'est un peu un miracle. Je, je vois. Euh, je pense que les mathématiques fonctionnent euh, à partir d'un certain nombre euh, de miracles, et ça, c'en est un. Alors, je ne vais pas euh, philosopher trop longtemps sur l'idée du miracle en mathématiques, mais euh, on, je pense qu'on peut utiliser le, le, le mot. Euh, et euh, bon, alors, là, il y, y a un potentiel qui a déjà été exploré. Il y a quand même euh, toute une école de théorie des catégories qui a développé. Euh, la, la théorie des topos élémentaires euh, et euh, elle a des contributions très importantes. Il y a des notions de topos qui ont émergé à partir de ça, par exemple, euh, le topos de réali réalisabilité euh, de, euh, de Martin Allen. C'est une construction de topos qui est tout à fait différente des faisceaux. Hein. Donc, il n'y a pas seulement les faisceaux qui permettent de construire des topos. Il y a des constructions logiques totalement différentes, qui sont très surprenantes et encore mal comprises aujourd'hui. Euh, mais en plus de ça, c'est qu'il y a le développement de la, de la, euh, la théorie la motopique des types. Oh, um, maintenant, je me rends compte que je parle en français. J'avais pas. Uh, <laughs> Maybe I could uh, switch to English for a while. Uh, so uh, now we see that there is something new happening. Uh, first, higher topos theory. Uh, when a theory uh, is not uh, imp uh, that important, when, when a subject is not really uh, uh, productive, uh, uh, there is no development, there is no important development in it. I mean, the fact that uh, topos theory has uh, given rise. Given rise, because clearly uh, the people who invented higher topos theory were directly inspired by topos theory. So the, the fact that topos theory is evolving is a very good sign for the subject. It shows that uh, topos theory is not only topos theory as Grothendieck conceived it, but maybe Grothendieck wanted to have higher topos theory too, because you can see it in his uh, pursuing stack. I mean, clearly, this is a dream of higher topos theory that he was not able to uh, to, to create for various reasons. Uh, but uh, so, um, this fact on one side, higher topos theory, which is very important for geometry. I mean, if you read the work of Lurie, it's not easy and uh, it's very extensive, you can see that. It's, it's, there are theorems there that are extremely general and very important for uh, geometry. And uh, there is a school uh, around uh, Lurie and Mike Hopkins uh, uh, of people, especially in the United States, developing uh, higher geometry and hi uh, higher topos theory, is, and stable homotopy uh, also theory. and. Uh, uh, stable categories, etc. it's all built on this idea. and it, it's, it's really, uh, uh, it's, it's just amazing. i mean, there are many things that i did not understood in the past. Uh, for example, the constructions of the tom space, for example. how can you, i mean, tom const he was here, tom, <laughs> one of the first with grothendieck. and there are new ways of understanding this construction. and for the first time when i saw that, uh, uh, there's a paper by uh, Gepner. And others, I uh, forget the, the name, but uh, I'm sorry. Lumber, Kefner, Hopkins. Uh, okay, so there are four, three or four, four people, and when you, where well, you have this new approach, and uh, when I saw the new definitions of the of the time space, you say, "Wow, it is so simple, and it just capture everything." This is something I waited for 50 years, and it's there now, and it's very very simple. Uh, so, uh, and on the other side, you have the logical side, which is also evolving with homotopy uh, type theory. Uh, and homotopy uh, type theory is uh, maybe not yet, I mean, there's a program, I would say. Eventually, we can hope that uh, uh, it will become user friendly. I mean, something, can you imagine? You sit uh, on your desk and you open and you start doing some proving things using this formal system. If it's user friendly and powerful, it will be a revolution in mathematics. There is no doubt. It, it will be, uh, I cannot imagine uh, how big it will be uh, because young people are going to use it. I mean, uh, forget uh, old people who can't, uh, like myself, who can't learn this stuff, but uh, clearly young people are going to take it and prove things. That the older people can't prove. <laughs> and uh, so, uh, uh, topos theory is closely connected to locale theory uh, and uh, classical logic, uh, geometric logic, uh, classifying topos, higher topos. Uh, it's all booming. Yeah, so I'm very optimistic about the future just to say a few words about the distinction between elementary and grothendieck because from the point of view of uh, unifying different mathematical theories with each other there is a particularly important aspect of grothendieck toposes uh, as opposed to uh, elementary toposes which is uh, the generators uh, basically, the, the essential difference between the two is the fact that uh, when you have Grothendieck toposes, you have uh, sites. Sites uh, correspond to presentations of theories. So basically, um, in some sense, and, and you don't have that for uh, elementary toposes. Uh, so this is uh, very important for uh, formalizing uh, this uh, duality between uh, the way of describing a mathematical theory and its mathematical content, as incarnated by the classifying topos. So I uh, personally think that uh, this uh, duality between the sites and the toposes, or between uh, axiomatic presentation of theories and their invariant incarnations uh, provided by classifying toposes, is of utmost importance, and this is also. An aspect that, uh, of course, it could be also generalized to higher topos. This uh, I didn't have the time to, to talk about that in my course, but certainly, uh, since uh, uh, most of the essential features of um, uh, one dimensional topos theory carry on, at least uh, some. Um, Uh, at least we have analogues of the notion of site etc uh, they carry on uh, to higher toposes we can certainly expect uh, these uh, unifying techniques uh, to uh, to generalize at the moment we don't uh, yet have uh, a formal axiomatic uh, definition of uh, higher geometric logic but it will uh, surely uh, come in the next uh, years uh, even though we have a semantic understanding well, of it, it uh, well uh, this is Uh, yeah, I mean, we, we really want. I mean, you can you can say Omoto theory is the uh, sort of analog of the internal language. Uh, uh, yes, yes, higher order. Yeah, of course, higher order internal language. But what we would like uh, here uh, really is to have higher geometric logic. So this okay. uh, still uh, lacks, but uh, I'm sure it will come. And uh, and so I think uh, it's very important to um, uh, to investigate. Uh, I mean, mm, I try to encourage people to investigate. Uh, how topos theoretic invariants express in terms of uh, different presentations of, uh, of a topos, because uh, uh, I mean uh, this really formalizes um, uh, the, the feeling of looking at something from different points of view. So it is very satisfactory to have uh, this possibility of uh, materializing in a precise mathematical object this uh, intuitive feeling that you might have. So you might find yourself working in a certain situation and noticing certain vague analogies and uh, some vague connections uh, and, uh, and you wonder uh, what is really behind all of that and uh, so what I, I, I would suggest uh, doing in, uh, in that situation is to try to identify a topos that captures very well the situation that you want to investigate and then you will have one topos that uh, represents one point of view and then you will have another topos which represents another point of view and then you will try to compare these two toposes to see whether they are equivalent or related in another way and uh, if you are lucky to find that there are natural relationships you might extract information from the comparison of these classifying toposes which uh, would hardly be visible by using alternative viewpoints really I mean I like to compare uh, um, topos theory a bit to uh, genetics of mathematics in the sense that uh, I mean when you do genetics for example genetics allows you to um, extract some information about individuals for example Biological information about individuals that you cannot see at the naked eye. So you really have to make an analysis of the, uh, of the DNA. So, of course, it is not as something as intuitive as uh, uh, surgery or traditional medicine. So you are in another uh, situation. But the kind of insights that genetics can bring are hardly obtainable using different techniques. So for me, topos theory is a bit like that, in the sense that uh, you can really get uh, by studying topos invariants invariance and from the point of view of different presentations, different sites, you can really reveal uh, hidden aspects of uh, theories that you would have never imagined. At least, uh, this is uh, the, um, the experience that uh, I have uh, matured uh, myself uh, with uh, this concept. Yes, well, uh, um, Je, je, je vais dire des choses un peu analogues, mais en m'appuyant euh, sur euh, mon expérience euh, de géomètre algébriste, le, donc formé euh, à l'école de Grothendieck, c'est-à-dire que, comme tout le monde, j'ai passé des années à étudier les schémas. Et euh, donc, en étudiant la théorie de Grothendieck, euh, euh, j'ai appris que, donc c'est une théorie géométrique. Hein, le, et J'ai appris qu'en en fait il y a deux choses importantes. Euh, la première est de forger euh, des, des outils et des méthodes générales euh, d'études d'espaces géométriques. Hein euh, d'abord euh, euh, par exemple euh, la, la comologie de zariski, euh, plus tard euh, la comologie étale, la cohomologie cristalline, des choses plus sophistiquées. Donc ça c'est le premier aspect. Euh, mais en fait, il y a un autre aspect euh, qui est aussi important, qui peut-être est antérieur à celui-là, c'est euh, de construire des espaces intéressants. Euh, et en fait, euh, on a, on, parfois on l'oublie, mais euh, Grotendick a forgé d'abord des méthodes très générales pour définir euh, des espaces, bon, qui ensuite se sont avérés des schémas. Euh, C'est le sujet principal de sa série d'exposés au séminaire Bourbaki, fondement de la géométrie algébrique. Euh, et là, les théorèmes essentiels sont des théorèmes de représentabilité. Grothendieck a eu cette idée géniale de, de définir des espaces euh, par des foncteurs et ensuite de montrer que ces foncteurs sont représentables. Alors, bien sûr, pour moi qui ai appris ça, quand Olivia m'a parlé de topos classifiants, c'était le, le, le même type de résultat. Euh, et, euh, mais, euh, donc, euh, en tant que géométrage révisé, je m'étais intéressé au programme de Langlands, c'est-à-dire qu'avec euh, les, les méthodes générales de construction d'espace introduites par Grothendieck et les méthodes générales d'étude d'espace introduites par Grothendieck, euh, je me suis attaché à l'étude de certains espaces particuliers, en particulier dans mon cas, les variétés de Stuka inventées par Drinfeld. Justement, en, euh, les shtukas sont à, 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 à façon définis par des foncteurs, euh, des foncteurs qui sont euh, eux-mêmes associés euh, au choix de, 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 de groupes réductifs et de quelques autres données. Euh, euh, et puis, euh, bien sûr, le, en géométrie algébrique, les gens ont beaucoup étudié aussi euh, les, ce qu'on appelle les variétés de Shimura, qui sont également euh, définies euh, par des foncteurs. Donc, j'étais habitué à, euh, 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 à ce que des objets soient définis par des, euh, des foncteurs. Euh, mais, euh, quand même, en géométrie algérienne, j'avais l'expérience que des foncteurs représentables vraiment intéressants, il n'y en a pas tellement. C'est-à-dire, je viens d'en citer quelques-uns, donc les variétés de Shimura. Bon, avant la, la courbe modulaire, le, et puis le, leur équivalence sur les corps de fonction, les, les Stuka de Drinfeld. Euh, mais par exemple, euh, euh, toutes les variétés de Shimura ne, ne, ne sont pas représentables. Ça pose de, de grands problèmes à la théorie des nombres. Euh, donc, en géométrage arithmétique, on a un peu l'impression qu'on manque d'objets. Euh, or, euh, voilà que le, avec ce théorème de, repré, de représentabilité, on a qu'une famille absolument gigantesque d'objets sont, euh, sont représentables. Euh, donc j'ai eu subitement l'impression euh, qu'il existe une famille d'espaces euh, incomparablement plus grande que ce que j'avais soupçonné. Alors bien sûr, toute théorie n'est pas intéressante, donc le, le, tout topos, euh, enfin les, les, les topos ne sont pas tous également intéressants, mais il n'empêche que chaque fois qu'on a une théorie intéressante euh, en mathématiques pour une raison ou pour une autre, euh, on a un topos associé, c'est-à-dire un espace associé. Donc ça donne une, une famille d'espaces à étudier euh, absolument euh, euh, énorme. Euh, D'autre part, euh, je reviens à mon expérience, c'est-à-dire le, les shtukas, les variétés de Shimura. Donc là, qu'est-ce qui fait que ces objets sont très riches qu'ils donnent, euh, qui permettent de démontrer des choses extrêmement profondes C'est que euh, ces objets ont une double représentation. Euh, ils sont définis par leurs points, hein, puisqu'ils sont définis d'abord comme, comme par un foncteur. Euh, donc ça veut dire que leurs points par exemple la coefficient dans un corps euh, sont euh, définis euh, par une, certaines données combinatoires associées à un groupe réductif euh, donc on va pouvoir raisonner là-dessus et euh, par ailleurs comme ils sont représentables par les schémas bah, comme on, euh, bah, on peut leur appliquer les techniques générales de la géométrie algébrique, on sait qu'ils ont une comologie étale qu'ils ont une comologie alédique et c'est en mettant les deux ensemble, en reliant les points et la cohomologie euh, LADIC. Donc, l'une, vous voyez que les points, c'est lié à la représentation de l'objet par un foncteur. La cohomologie LADIC, c'est lié à la représentation de l'objet par un schéma. Euh, donc, c'est en mettant ces deux choses-là ensemble. Euh, qu'on parvient, euh, grâce à un, un théorème précis qui relie les deux, qui s'appelle le théorème des points fixes de Rothendieck-Lefschetz, euh, c'est en reliant ces deux choses-là euh, qu'on peut démontrer, euh, par exemple, des, des, euh, des parties du programme de Langland, c'est-à-dire des énoncés extraordinairement profonds. Donc vous voyez qu'ici, la profondeur des résultats vient de ce qu'un même objet est représenté de deux manières différentes. Et donc là aussi, euh, pour moi, c'est vraiment une, une raison euh, d'avoir euh, euh, été euh, euh, très vite convaincu euh, à la fois par le, le, le théorème d'existence de, 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 des topos classifiants, qui dit que chaque fois qu'on a une théorie, on a un topos associé. Donc déjà ce théorème en lui-même déjà relie deux choses, parce que là, il relie un foncteur, enfin en l'occurrence un deux foncteurs. Et puis le topos qui va le représenter. Et ensuite, on apprend que ce topos, euh, étant donné les propriétés générales des topos, va toujours pouvoir être euh, représenté de plusieurs manières différentes. Et là encore, le, le, euh, le, euh, disons le, 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 le potentiel d'une telle possibilité apparaît immédiatement immense. Euh, à cause de, euh, de euh, cette, euh, cette expérience-là euh, euh, qu'on a. Euh, euh, donc, en, en quelque sorte, la, la, la théorie des topos m'apparaît aujourd'hui comme quelque chose qui, euh, où je retrouve beaucoup d'éléments de, de la théorie des schémas tels que je l'ai apprise, mais euh, avec des, des possibilités encore plus grandes. La dernière chose que, euh, qui m'a frappé, euh, qui euh, 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 qu a aussi à la fois une, une similitude et une différence, c'est que euh, la géométrie dont je parle, la géométrie des schémas, est la géométrie algébrique. Donc, une géométrie qui est fondée sur l'algèbre, hein, sur des équations polynomiales, on utilise l'addition, la multiplication, euh, tandis que la, la théorie des topos classifiants est fondée sur la logique. Or, une chose que, que j'ai comprise peu à peu, c'est que euh, la logique est incomparablement plus souple que l'algèbre. Euh, et euh, je vais en, en donner une illustration, enfin, là, simplement rappeler une remarque que j'ai faite euh, dans, euh, dans, dans l'un des cours d'Olivia. Euh, euh, donc, euh, il s'agit de la, de la théorie de Galois. Euh, donc, bien sûr, j'ai appris la théorie des, 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 des catégories galoisiennes de Grothendieck et, euh, m'intéressant au motif, j'ai appris la, la théorie des catégories tanakiennes. Mais, mais voyez que dans, dans ce, ce formalisme-là, qui est euh, inspiré par l'algèbre, on a deux théories parallèles et différentes. C'est-à-dire, si on veut classifier des objets linéaires, c'est la théorie des catégories tanakiennes. Si on veut classifier des objets non linéaires, c'est la théorie des catégories galoisiennes. Donc les deux théories sont vraiment euh, euh, calquées l'une sur l'autre, enfin en fait la, la théorie des catégories tanakiennes calquée sur la théorie des catégories galoisiennes, mais elles ne, elles ne se rejoignent pas, ces deux théories parallèles. Or, euh, euh, dans la, avec la théorie des, des topos classifiants, vous pouvez à chercher à à classifier donc n'importe quel type de théorie géométrique du premier ordre et à demander que le topos classifiant ait les propriétés gallois... enfin, les propriétés qu'on attend d'une théorie galoisienne. Donc techniquement c'est le fait d'être un topos atomique à deux valeurs. Mais cette propriété-là, euh, en fait, peut se produire aussi bien pour une théorie linéaire que pour une théorie non linéaire. Donc ça veut dire que le... avec cette théorie des topos classifiants la dichotomie entre le linéaire et le non-linéaire disparaît. C'est-à-dire vous avez une même théorie, un même formalisme qui vous permet d'étudier les deux. Hein Or, euh, de, de, du point de vue... Euh, le, enfin, disons, c'est une chose qui m'intéresse énormément, parce que pour moi, la, la question de la, de, la, euh, de la spécificité des structures linéaires est une question qui m'intéresse énormément. Par exemple, dans la dualité de Langlands, euh, donc il s'agit de relier les représentations automorphes et les représentations galoisiennes. Et euh, donc, dans les énoncés, les représentations qu'on considère sont des représentations linéaires. Et pour moi, c'est une question posée depuis des années. Pourquoi linéaire Qu'est-ce que le linéaire vient faire là Et donc, j'ai l'impression que pour essayer de répondre à, à, à cette question, il faut se placer dans un cadre mathématique où le linéaire n'est pas là a priori. Hein, C'est-à-dire où, le, où, où le, le linéaire et le non linéaire habitent ensemble et où on va pouvoir euh, justement découvrir peut-être la spécificité du linéaire qui permet cette propriété particulière, extraordinaire de la dualité de l'anglance. Euh, Il faut faire passer le micro dans la salle ou les micros du plafond suffisent I In fact, you don't yeah. need it, but, but it's, it's maybe better. I would just like to, um, to amplify something that Andre said uh, some minutes ago. Andre recalled, I think, if I understood correctly, the origins of categorical logic in Brouwer's intuitionistic mathematics, also mentioned Brouwer's impact on topology via the Brouwer fixed point theorem, and then went on to say that it's uh, rather remarkable that um, topos theory gave rise to both higher topos theory as well as to well, it, and there's also this relation to homotopy type theory where people, you know, keep saying that it's expected that homotopy type theory is supposed to be the internal language of these infinity topos. I would just like to amplify this point. Uh, maybe the single person who has been pushing the unification of all four of these points, uh, mostly in the last years, which is Mike Schulman, who has been doing some fantastic work in this direction. He, he has... For instance, people like to speak about having this one model of homotopy type theory in simplicial sets. And I think it's uh, worthwhile uh, to recognize that Mike has meanwhile produced two infinite families of models of pre-sheaf infinity topos. One of which is, uh, is the one of and homotopy theory, which goes into quite some um, research level, modern research level territory where actual homotopy theorists, I think, are more likely to pay attention. And um, just to close the circle of ideas, it starts with Brouwer. Just in his latest article, he considers cohesive homotopy type theory, and uh, gives a formal proof, in there, an intuitionistic proof, if you wish, of Brouwer's fixed point theorem. So, in cohesive homotopy type theory, it's possible to actually speak about the continuous circle as its, with its geometric structure, as well as of the its homotopy type as BZ, you know, KZ one and put these things together, and using the proof he did earlier of the homotopy groups of spheres, he can actually redo Bras' fixed-point theorem in intuitionistic, but now homotopy theoretic type theory. I think that is a beautiful yes. unification of the, of this kind of history of topos theory that has been happening. And I just want to advertise this fact. This is a beautiful article that uh, I think unifies many of the aspects that have been mentioned in this uh, in this conference called something like cohesive for be type theory and Brouwer's fixed point theorem. That's all I wanted to say, thanks. Jean, <coughs> I think uh, all this seminar has convinced, in case the need to be convinced, of the importance of topos theory. So, I am convinced. But I want to fill a little bit of number 10 of my <laughs> program there. <laughs> Not because it is my program, but because it's for me philosophically very important. Number 10 is. What I called a plea for the language. I'm not meaning the language of toposes. I'm meaning the human language, which is the greatest achievement of humanity, which has taken thousands of years to build. And I think that. Uh, Mathematics has benefited from, say, physics, from astronomy, from etc., etc. And maybe there is a possibility by looking at the language to define new important structures, not necessarily toposes. I want to give just one example. Apart from the thing which I said, which are very elementary, namely the notion of, which is in the language, the notion of small, which has a very big content, in spite of some smiles that may arise or that will certainly arise. The notion of small to take all its full power. Needs the notion of fibered categories and some deep consideration on fibered categories, which are not necessarily toposes or fibered categories over a topos. I cannot and I couldn't talk about this notion here because it's much, much long, it would be much longer. Than the things which I said, and yet all of this this mathematical development comes from better understanding just a better understanding of etc, a better understanding of small and forces you to study some structures in fiber categories would take i don't know how, how long so the language provided you don't violate it just as i said if you, you violate uh, uh, the notion of etc if you look at it on sets etc we necessarily force you to invent new int interesting and important structure that's what I mean by plea for the language, not the language of topos theory or the, the internal language, or the language, the human language. It is the most fabulous creation of humanity, and maybe it's time now. We didn't have the tools, but categories or generalized categories or etc. Uh, etc. Cetera, et cetera, might benefit from. Study of some fragments of the language. Okay. If you have something to say, it's time now. <laughs> Alain, voulez rajouter quelque chose Non. Si personne ne, ne veut rien dire, il n'y a pas de problème. On va s'arrêter là. Et, et André. Tu as oublié. Ah, maintenant je me souviens. Voilà. Mais. Euh, oui, euh, je, ce que je voulais dire c'est quelque chose d'un petit peut-être un peu étrange. Je pense qu'on peut euh, faire la théorie des topos et l'utiliser euh, sans être euh, un spécialiste. Euh, donc euh, on n'a pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de vous convertir à une sorte de religion qui s'appellerait qui la théorie des topos, euh, dont certains seraient des prêtres, des, etc. Non. Euh, et ce qu'il faut, c'est juste que vous commenciez à aimer peut-être cette notion et que vous l'utilisiez à l'occasion dans vos travaux. Et bon, comme ça, c'est juste un outil, quoi. C'est penser un peu comme euh, le langage tech, quoi. C'est un outil, hein, c'est utile. Bon, peut-être la comparaison n'est pas la meilleure possible, mais euh, euh, je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Euh, oui, alors je sais un peu pour rebondir sur ce que André vient de dire, je pense qu'effectivement, on, on, euh, on aurait tort de, de croire que, je veux dire... Euh, même au niveau géométrique, l'idée du topos suffit à appréhender euh, ce que la nature nous présente. Ce que j'ai en tête, c'est la chose suivante c'est que Grotendieck insiste, et il a parfaitement raison, sur le fait que l'idée du topos unifie le discret et le continu. Mais il y a une autre merveille dans la nature, c'est le quantique. Et, et le formalisme du quantique, qui a cette linéarité dont parlait euh, Laurent, euh, a quand même cette merveille extraordinaire. Qui est que justement il unifie, il permet aux discrets, les opérateurs aspects discrets, de coexister avec les opérateurs aspects continu. Et, et il y a une profondeur absolument incroyable dans le, dans le quantique, dans le fait justement que bon si vous voulez il y, a, il y a un phénomène extraordinaire dans le quantique qui est que ça ça le formalisme du quantique euh, est extrêmement performant pour dire ce que c'est que la variabilité, ce que c'est qu'une variable. Et ça l'est à tel point que maintenant, en Suisse, il y a des gens qui ont inventé un générateur de nombres aléatoires, euh, qui est tel que même si un attaquant connaissait tous les détails du système qui produit ces nombres aléatoires, ne, il ne serait pas capable de, de faire la même chose. Et ce ne serait pas le cas si on utilisait un ordinateur ordinaire. Le système, c'est la chose suivante, c'est une petite lampe LED qui envoie sur un, un écran des photons. Et le générateur de nombres aléatoires, il regarde là où le photon arrive, ce qui est non reproductible par le principe d'incertitude de Heisenberg, et il produit un nombre aléatoire. Alors, il y a là, une, le formalisme du quantique est quelque chose de merveilleux. C'est un autre monde merveilleux, donc qui est à côté, si vous voulez, du monde des topos. Et il faut pas croire qu'on peut tout réduire à un topos. Je rebondis sur ce que disait André. Je veux dire, ça, ça contient énormément de choses. Je pense que c'est aussi, pour rebondir sur ce qu'il disait, c'est aussi très important, je pense, que non seulement nous puissions l'utiliser en tant que mathématiciens, c'est-à-dire que nous soyons capables de savoir qu'il y a un topos derrière telle ou telle situation, mais qu'en fait, j'ai remarqué une chose triviale, vous m'excuserez pour la dire, c'est qu'on euh, a tendance à critiquer les scientifiques par le fait qu'ils ont toujours l'idée que quelque chose est soit vrai, soit faux. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une discussion à la télévision. Vous voyez des, des hommes politiques autour d'une table. Ils discutent d'une notion, et, et on a tous l'idée très naïve, très simple, simpliste, qu'une chose qui discute est soit vraie, soit fausse. Or, l'idée du topos. A, dans son caractère logique, dans le fait qu'il y a cet oméga qui est le classifiant, etc., à ce potentiel extraordinaire de formalisation qui permet de ne plus avoir seulement le vrai et le faux, mais avoir l'idée justement de passe tout trousse, d'un chemin vers la vérité. Et ça, je pense que si vous voulez, c'est vraiment extrêmement dommage que des gens qui seraient sérieux, bien sûr, hein, pas, des, pas des escrocs, mais que des gens qui seraient sérieux, qui connaîtraient la philosophie, qui connaîtraient des situations dans le monde courant, soient capables d'adapter ce merveilleux outil pour mieux comprendre ce qui fait qu'on peut être devant une, une salle où il y a une discussion politique et, et on comprend rien. On comprend rien si on a l'idée que c'est X ou Y qui a raison, et c si X a raison, c'est Y qui a tort, etc. Les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Et on pourrait rendre un grand service au langage, qui nous a rendu un, énormément de services, on pourrait rendre un grand service au langage en essayant justement de, de traduire en termes compréhensibles est utilisable cette idée du topos. qui est, Je veux dire, elle est là, elle existe. Le grand danger, bien sûr, c'est qu'il y a un tas d'escrocs. Et par exemple, moi, j'ai lu des bouquins qui s'appellent le topos de la musique et tout ça, mais c'est des, des bêtises inouïes. Et en général, ces gens-là sont des gens qui vont essayer d'impressionner les autres par un langage mathématique complètement obscur sans l'avoir compris. Donc euh, là, il y, y aura une évolution. Je pense que ce sera une évolution très lente. Je pense que ça prendra du temps avant que l'idée du topos passe dans la, les philosophes, si vous voulez, dans la philosophie. Mais qu'une fois qu'elle l'aura fait, ah, on pourra, on pourra formuler, formuler les choses de manière beaucoup plus subtile et intéressante que par le vrai ou le faux, comme on le fait d'habitude. C'est peut-être justement le lien avec le, le langage et sur les topos, le, le, le point de vue de, de Benabou sur les ensembles empiriques, par exemple. C'est une, une, une étape dans, dans cette direction. Peut-être ça pose aussi, alors on n'a plus beaucoup de temps, mais le, la question de teaching topos, puisque si effectivement... Non, 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 non ce n'est pas un teaching topos. Donc, euh, ok. Ok. L'enseignement des, des, des topos, euh, si effectivement les topos euh, ne doivent pas être vus comme rien ne devrait être vu comme euh, le, le Graal qui répond à, à tout, il ne s'agit pas de ça, bien entendu, mais euh, les connexions euh, très fortes, fondamentales, avec euh, euh, de très nombreux domaines, peut-être tous les domaines, je ne sais pas, en tout cas de très nombreux domaines des, des mathématiques, euh, invitent à enseigner les topos euh, à un niveau assez, enfin, relativement tôt. Finalement finalement. Non non non, pas dit élémentaire. Donc est-ce que est-ce que euh, vous voudriez euh, dire quelques mots de votre votre sentiment sur l'enseignement euh, des... Bon, enfin si on peut poser la question, on n'est pas obligé d'y répondre maintenant. Et André. Pas tout à fait sur l'enseignement mais comme Urs Schreiber dans son exposé, le titre c'était Pre-Quantum. Pre-quantum. Alors, c'est intéressant comme titre, je suis content que tu aies mis Pre-Quantum, parce que le vrai mystère mathématique est peut-être le quantum. Et dans quelle mesure, les je pense que les topos ont une contribution à faire, mais on dirait que c'est plutôt encore du classique. Là, que les vrais espaces quantiques euh, sont toujours bon, peut-être euh, euh, Alain a des idées là-dessus justement. Mais, oui. Non, disons que si tu veux là, tu, tu, me, tu, tu me tentes. Mais disons que moi, ce qui m'a convaincu ce c'est pas ça. Ce qui m'a convaincu topost, c'est que euh, si tu veux. Euh, un topos extrêmement simple, c'est ce que c'est ce expliqué Laurent, euh, si tu veux, peut avoir comme espace de point un espace non commutatif. Et ça, j'ai trouvé ça, j'ai été estomaqué par ça. J'ai été estomaqué par ça. Parce que, euh, si tu veux, là, le, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, justement, les, les espaces dans lesquels la notion d'égalité est plus subtile. Je prends un exemple. Quand Penrose, une fois, avait fait un exposé, il avait des transparents. Et sur ces transparents, il avait les pavages de Penrose. Et il montrait que deux pavages, on peut les faire coïncider autant qu'on veut. Donc l'égalité est mal définie. On peut avoir des choses qui se ressemblent autant qu'elles veulent sans être égales. D'accord Eh bien ça c'est quantique. Ça c'est quantique. C'est-à-dire que la, la chose qui est quantique, cette espèce de fluctuation, elle est présente. Donc il y a, il y a, ce, il y a cette, ce pont justement entre le quantique et... Euh, euh, quelque chose qui après peut être formalisé par un topos, mais je veux dire, il y a plus, il y a plus dans le quantique parce qu'il y a les nombres complexes, il y a les, etc. Donc, effectivement, là, il y a une vraie, a une vraie question, et c'est vrai que dans l'Aïs de, de euh, Ours, euh, il était au stade pré-quantique. Mais bon, c'est quand même très dangereux parce que, par exemple, quand j'ai considéré la géométrie non commutative, je ne l'ai pas appelée géométrie quantique. C'est très dangereux de. de Considérer qu'on a trouvé qu la chose trouvé qui est vraiment lâche. Tu comprends qu'on a trouvé la géométrie quantique. Non commutative, c'est autre chose. Voilà. Je pense que c'est un point très uh, important. Had had si j'avais plus de temps, je pourrais être capable de commenter. Mais permettez-moi uh, de commenter sur ça, parce que je pense que exactement votre attention, Topos, c'est ce qui va dans. Into the quantum direction. So, as Maxim Konsevich has been amplifying for many years now, is that one version of speaking about non commutative, hence quantum spaces, is regarding them as not toposes, infinity toposes, but as stable infinity categories. Or if you, no That's my if you wish, as uh, no triangulated. So, But there's this passage, you see, you the, these things are connected via the tangent topos. So these stable infinity carriers, the way that Maxim Kontzevich has been considering, as long as they're presentable, which is what we assume, they're sheaves of spectra. So they do sit inside the tangent topos of the corresponding sheaves of infinity stacks. And uh, it is in this way, um, I have this little note on the archive for quantization via linear homotopy types where I kind of try to explain how to go from the pre quantum version via the tangent topos to the quantum version. So, uh, uh, I remember that in a discussion uh, with uh, Maxime a couple uh, of weeks ago, you said something about non, non commutative non geometry. <laughs> <laughs> Yeah, no, in fact, uh, I came from different worlds, and for me, kind of topos a little bit too set theoretic yeah, for my uh, taste. And uh, yeah, one can think about stable categories, things really parallel to topos, as so we get to set all co limits and finite limits and so on. But it's kind of a little bit different game, and um, so enriched by different uh, categories, not sets, not by spaces, but spectra. And it's, uh, yes, and it's also linear. it's linear, yeah, and, but also if you do things about props, i don't think it's kind of, for me, not natural to re return to sets, back to sets, yeah, so it's kind of which, you um, know, symmetric monoidal category in some sense has its own logic and its own word of topics, as i can say. but in, in general also, i have to say that, mm, I may i allow to myself to be a bit, uh, um, to have, opinionated uh, I got con convinced the notion of topos per se it's uh, belong to the past and it's uh, it's like a billion category it's uh, uh, of course a great tahoku paper but it's right notion of uh, like in, in non is a stable category and also the infinity topos the axioms is much nicer, and uh, all things I think will be Better, yeah, so it, uh, okay. maybe one can see this uh, usual toposis as like heart of t-structure on uh, infinity toposes in some cases, but, uh, uh -huh. uh, yeah. so but uh, the step from locale to topos theory is like the step from uh, topos theory to infinity. Topos. yes, 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 yeah. and they the step between abelian categories and stable. yeah. Category yeah, but, but stable categories are simpler than abelian categories. it's like yeah, additive case. Yeah. yeah, that's what you were explaining to me. that's a kind of place where there are very miraculous things. Yeah. for example, you told me that uh, uh, I, I stress uh, commutation law in my talk, uh, but uh, in the stable case, uh, uh, you told me that uh, uh, finite limits and finite colimits commute. It's not that there is a distributivity law. You can do one or the other, and that characterizes stable categories. It's an amazing thing that you, you, one could have this kind of universe where these two things commute, but because they are, in principle, very different. The one is, uh, yeah. So I don't know. It's very mysterious to me. I, Unfortunately, we have to stop now because the colloquium is not uh, ended <laughs> precisely. So, uh, thank you very much for everyone.